Implanté aux frontières entre la Belgique, le Luxembourg et la France, le terminal conteneur d'Attu est le plus grand port sec de Belgique. Raccordé au rail, ses installations de 16 hectares relient quotidiennement les ports maritimes belges à raison de 12 trains par semaine. Le terminal d'Attu est le lien entre le nord et le sud, c'est le rôle qu'on veut jouer. Avec 1200 trains par an actuellement déjà entre Attu et les ports maritimes d'Anvers et de Zeebruges. Une liaison sous forme de pont vert qui évite chaque année le rejet de 17 500 tonnes de CO2 en n'envoyant pas sur la route les 75 000 camions qui seraient nécessaires au transport de ces volumes. Le terminal conteneur Attu a une capacité de 150 000 conteneurs par an. Ses 4000 mètres de voies ferrées lui permettent de gérer 6 trains simultanément avec l'appui de locomotives rail-route, portiques et autres riches stackers. Terminal Attu, on est en fait opérateur ferroviaire. On offre à nos clients le transport combiné rail-route. Et l'outil terminal, c'est plutôt l'outil pour faire le transbordement des conteneurs du rail vers le camion et du camion vers le rail. On essaye de capter tout le trajet du port vers le client, une partie par rail, ça veut dire là on a nos propres wagons ferroviaires, et l'autre côté par la route. À côté de l'organisation des transports, Terminal Conteneur Attu propose en effet des prestations de stockage, d'empotage et dépotage, de conditionnement, de réparation et de douane avec des ambitions grandissantes. Le but avec le raccordement vers la France qui a été finalisé au mois de septembre, dans le passé on était vraiment orienté vers le nord, les ports maritimes. Et là, avoir la connexion ferroviaire, maintenant avec la connexion et le raccordement, on peut avoir la vision vers le sud et faire des trains entre Attu et le sud et pour faire en fait et jouer ce rôle de hub ferroviaire. Un objectif qui pourrait se matérialiser très rapidement, les gestionnaires du terminal conteneur d'Attu espèrent organiser les premières liaisons dès l'an prochain.